Cette petite histoire est vraie. Elle s'est passée il y a des années, non loin d'ici. Je la raconte parce que je me souviens d'un jeune homme nommé François, qui eut affaire à une guerre où l'on avait beaucoup de combativité et de gros chagrins. Des milliers d'hommes prenaient part au combat et étaient perdus. Mais où il y a de la vie, il y a de l'espoir. François travaillait pour la résistance, mais on...